Maëva Ghennam menaçait de se faire frapper un groupe d'hommes, elle raconte tout. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il arrive une tuile à la star des Marseillais. Le mois dernier, Maëva Ghennam a raté son avion et s'était embrouillée avec une hôtesse à l'aéroport. Quelques jours plus tard, Maëva était au plus mal à cause de sa rupture avec Bolly. Si la candidate de télé-réalité tente d'avoir une vie normale, comme toutes les jeunes femmes de son âge, elle vient de vivre une nouvelle mésaventure. La sulfureuse brune s'est violemment disputée avec un groupe de garçons durant le match France-Maroc. Hors d'elle, elle raconte toute la scène sur Snapchat. Hier, le blogueur Varuko est le premier à balancer le scoop, altercation entre Maëva Ghennam des hommes. Hier soir, Maëva rejoignait Manon et Julien Tantier en extérieur pour regarder le match de la France face au Maroc. Quand Maëva et les Tantis sont arrivés, Maëva s'est vue recevoir un glaçon sur la tête. Des garçons rigolaient d'elle entre eux pour savoir qui avait jeté ces fameux glaçons. Maëva s'est vite aperçue de ce qui se passait autour d'elle et décide d'aller embrouiller les garçons qui lui ont jeté des glaçons. L'un d'entre eux sort son téléphone pour la filmer. Maëva en fait de même. De là, le ton monte très vite entre la candidate du cross et les hommes qui étaient prêts à la frapper. Mais, ils se sont fait virer directement de la terrasse. Data Ibrahimov. Ces derniers jours, Maëva Ghennam, en froid avec Julien Tanti dans le cross, n'a pas du tout le moral. Heureusement, la jeune femme s'est réconciliée avec le couple Tanti depuis qu'elle a voté Noré pour devenir chef des Marseillais. D'ailleurs, Maëva, Julien et Manon sont sortis ensemble à Dubaï pour visionner le match. C'est à ce moment que l'altercation a éclaté. Elle raconte. Pendant deux jours, j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi. Je suis en pleine forme. Je n'étais pas très bien. Car, ces derniers temps, je ne me suis pas reposée. C'était une accumulation. Virgule, il m'arrive toujours des péripéties dans ma vie. Hier, dinguerie. Je suis sortie avec des amis regarder le match. Je suis dans un endroit trop bien, je passe un bon moment. Je vous jure, je n'ai rien fait. Et là, je reçois un glaçon dans ma tête. Je me retourne, je cherche à voir qui c'est. Il y a une table avec des mecs. Il y en a un qui rigole et qui désigne son copain. Je lui demande pourquoi il a fait et il se fout de ma gueule. Ça part en embrouille et je vois qu'il snap. Ils sont en train de me filmer. Donc moi, je fais la même chose qu'eux. Et là, ça part en vrille totale. Le mec a pété les plombs et il a voulu me frapper. Après, ils se sont fait virer comme des malpropres. Guillaumet.